What's up bande de copains et les copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horizon Craft en compagnie de personnes, un petit pillage j'imagine. C'est celui-là que veulent me TP, je parie. Ouais, j'imagine. What the fuck, c'est quoi ça? Ok, il y a qui sur moi? Ah, il y a quelqu'un là. Mais, oh merde, F, enemy. T'es pas sérieux là? Ah, je suis pas officier. Ah, ce petit fils de pute. Je peux pas le taper. Cœur, cœur. Eux, ils peuvent le taper, pas moi. C'est pas grave, au pire, j'ai des pommes cheats. C'est pas grave. Je crois que aussi, j'ai pas parlé dans le dernier épisode, mais il y a des cooldowns sur les pommes cheats. Je sais pas de combien de temps, mais bon. Boom. Ok, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Les coffres sécures, ouais, j'avoue. Il a peut-être raison, le gars. Ça prend un briquet d'eau. Ça prend un briquet. Alors. J'aime pas ces vidéo settings, c'est quoi ça? Voilà. What the fuck? Je vais à ma base au pire chercher un briquet. Puis qui ont l'air un peu autistes. Et ça tombe au raid 1. Putain de merde, y'a vraiment des gens cons. Tac, tac. Tac, tac. J'en ai peut-être un à mon under chest. Même pas, what the fuck? Oh. Comment on fait pour crafter un briquet? Est-ce que vous le savez, vous, les amis? Ah ouais, c'est un bloc de gravier. C'est... Oh, attends, attends, attends. C'est quoi, crafter un briquet? Wow, 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 wow. What the fuck? Je me souviens plus comment crafter un briquet. Est-ce que c'est parce que ça veut dire que j'ai des problèmes mentaux? Faut que je trouve un briquet. Comment trouver un briquet? First, faut du gravier. Ah mais il y a peut-être quelqu'un qui en a dans ses coffres. Genre lui. Non. Genre lui. Non plus. What the fuck, ta gueule. Lui. Non plus, ça c'est à moi. Cœur cœur. Icon de beau gosse. Damn boy. What the fuck? Y'a aucun fuck, t'es pas sérieux là. J'ai aucun briquet chez moi. Oh my god. Shit. Oh my god, 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 oh my god. C'est vraiment, 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 vraiment con de ma part. Mais bon. Oh attends. Non. Non. trouve un briquet STP. Moi je vous reviens quand j'ai trouvé un briquet tout de suite. Yo, what's up? Après un putain d'énergie de la mort qui tue, comme vous pouvez voir. En vrai, j'ai fait un énergie parce que regardez, l'eau est vraiment tombée. Puis là, j'ai fait genre en mode YOLO. Mais oui, bien sûr, Alexandre. On va aller chercher de la. Attends, peux-tu désactiver la. Detail. Deprive off cloud eye ça ok voilà 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 on fait un petit slash feed et là le but c'est de trouver du gravier il devrait en avoir pas loin ici voilà moi j'aime le gravier toi tu aimes le gravier on peut faire ça direct là tac 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 et on raid 1. Oh shit, hein. Yo! What's up, Yacine, mon frère! C'est pas vrai, je le connais pas en fait, je m'en souviens plus. C'est pas grave, détail. Son gros, maintenant, on va faire ça en mode comme ça. Et on va prendre des blocs de terre. Vu que ces gars-là sont un peu attardés, à ce que j'ai pu voir.
What the fuck? Faudra m'expliquer comment ce gars-là fait ses coffres. Hein. Nique ta mère? On y va encore. Je vous montre les amis. En même temps, ça va être un petit tuto. Faites juste poser un bloc. On va faire celui du dessus pour que péter les deux coffres. Et vous laissez glisser. Tac, en même temps. Et puis là, vous avez des chances de le rater ou pas. Ça dépend après tout le temps de la pratique, les amis. Le premier, j'ai été vraiment chanceux de l'avoir du premier coup. Normalement, je les ai jamais du premier coup. Puis là, regardez. Voilà, je l'ai eu. Après, je suis habitué d'en faire. Boum. Il y a eu des livres et tout. Je vais le laisser le stuff, les gars, sincèrement. Regardez, Power 2. Regardez ça, les copains. C'est un bon livre. Je vais leur donner le stuff parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et puis, eux, c'est des villageois, ça. Voilà. Ah, celle-là, je l'ai fait. Je sais pas pourquoi je l'ai vu complètement faire. Fait que même si vous faites des coffres avec de l'eau, les gars, c'est vraiment pas impiable, hein, on s'entend. Entre vous et moi. Encore fail. C'est pas grave. J'ai plein d'œufs de creep, personnellement. Ça me dérange pas. Encore fail, what the fuck. Par exemple, ça commence à m'énerver quand je l'ai pas. On va juste changer. Qui boit des potions depuis tout à l'heure? J'étais pas sûr c'était qui, ok? J'étais pas vraiment sûr. Ok. Oui. Oh non! Voilà. Il y avait quoi? Rien. Calice de tabarnak. Au moins, c'est pas grave. Au moins, vous apprenez comment les faire. Au moins, vous apprenez à faire comment des coffres comme ça. Même si tu mets des tables d'argent en bas, le mur, il est pas intouchable. Mais il est con lui, il fallait pas qu'il le tape. Il y a des bottes en diam là-dedans. Comme ça. Tac tac. Tac tac. Ok. Là, ça va être un peu compliqué pour moi. Oh shit. Oh, on va faire ce côté-là. C'est pas mon bon côté, les gars. Je l'ai eu. Damn. Voilà, je suis content parce que je l'ai... Je suis content même si c'est du stuff de merde parce que je m'en fous, j'ai pas besoin de stuff. Mais aussi, c'est juste que je peux vous proposer un pillage et en plus, je peux vous montrer comment piller les coffres. Et ça, je crois que c'est vraiment important que vous sachiez comment pour qu'il y ait de plus en plus de pillages sur plus en plus de serveurs. Et même, c'est pas sur raison. Je sais pas, j'arrive pas à celle-là. Bref, bref, bref. Avec la pratique. Je vous conseille de pratiquer quand même en. Pratiquer avant, là, de l'exécuter parce que ça coûte vraiment beaucoup d'œufs de creep. Mais bon. Voilà. Voilà. On réessaye. Cette technique-là m'a été enseignée par Sensi. Dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Il n'y avait rien. Et puis là, le dernier. J'ai deux œufs pour le faire. Voilà. Voilà, bah je l'ai eu. Un en un. Boom. Ok. Je vous conseille quand même de faire péter ceci. Comme ça vous avez des trucs. Y a pas dans le chest quelque part. Hop là. Non. Non. Under chest. Under chest. J'ai plus d'œufs, spam de con. I have to be so rude. On prend 12 œufs. Comme ça, on pourra encore tout démolir après. Oh, attends. On en prend plus. Voilà. Comme ça, on pourra démolir. Ah, oh, il y a raison, il en reste un là. Soit encore, les amis, vous faites juste...
posé sur le côté. Vous visez le coin-coin-coin du bloc. Puis vous faites juste glisser un œuf. Oh shit, j'en ai posé deux là. Faut toujours en mettre un. J'étais stupide là. Surtout que je pense que les deux... Ouch. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Parce que là, il a fucké mon deuxième. Moi, je devais aller tuer celui-là puis allumer l'autre après, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on l'a eu. Oh, damn, il est sorti, le fils de pute. Oh, le bâtard. Alors, on vise le milieu. Puis on fait glisser sa molette sur le côté. Puis voilà. Ah non, on l'a pas eu celui-là. Comme j'ai dit, ça coûte beaucoup d'œufs de creep, c'est sûr. Mais c'est la meilleure façon pour piller les coffres. Vu que s'il y a trois coffres, je vous conseille toujours de faire celui du milieu avant. Celui du haut avant pour descendre. C'est plus simple. Quand il y a deux coffres comme ça, on s'en fout. Et de toute façon, je sais qu'il n'y aura rien, c'est juste pour vous montrer vraiment la technique, les gars. Inquiétez-vous pas. En plus, j'avais pas de pillage, ça peut vachement vous aider. Eh mais tabarnak, le colis, le style, le Saint-Sacrement. Ah, après un petit peu de rage, les amis. Vous pouvez aussi le faire par le bas, si vous êtes habile, après. Mais c'est un peu plus compliqué. Non, là, je l'ai eu. Bon, voilà, 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 voilà. Puis là, maintenant, on peut tout faire péter tout ce qu'on veut. Parce que, de toute façon, voilà, y a rien. C'est de la merde. Serveur de merde. Comme les petits rageux, vous savez, les rageux, là, à chaque fois qu'il y a... Ah, bref, bon, vous avez compris ma blague. Non, vous l'avez pas compris, d'accord. Bref, voilà. Je vais les casser ici, parce que... Ah, oh, il y avait un spawner, là. Je pense qu'on peut faire péter les spawners. Ah, oh, ce serait trop pédé de faire ça. Allons-y. Ok, close là. Et là, faut pas qu'il sorte de là. Voilà. Ouais, c'est 40 secondes de cooldown, j'en ai pas parlé, mais bon. Là, il y a des spawners. Il n'y a pas encore de spawner, fuck. There we go. Là, ils partent de là. C'est quoi qu'il y a par là-bas? Ah, mais attends une minute. Qu'est-ce qu'il a fait là, lui? Et voilà. Et voilà. On a réussi. Tu peux de nouveau manger une pomme à chantilly. Cœur, cœur. Voilà. Ça, on aura bien démoli sa base. Puis en même temps, vous allez apprendre comment piller. Ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Après ça, il reste quoi là? Ah, tu vois, je savais pas qu'on pouvait pas poser des œufs là-dedans. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Même en sneak, ouais. Est-ce qu'on peut poser en dessous? Ouais, ok. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle, je savais pas. C'est intéressant à savoir, les amis. Ou pas du tout, mais bon. On va quand même faire péter les deux petits coffres qui restent là. Hop, là. Et les deux autres coffres qui restent là. Voilà. Et puis, bien entendu, vu que je suis un fils de pute, je vais juste essayer de tuer celui-là. Oh non, putain. Ok, je t'aime pas. Bye. Il veut fight? Ok, tu veux fight ou pas? Ok, pas fight. Oh, what the fuck? On a ici, on assiste à une danse spéciale du creeper. Comme vous pouvez voir. Ok, lol. Le creeper dansait. Bref, les amis, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. J'espère que ça vous aura aidé à apprendre comment piller. Et bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Icon, le Pikachu de l'Internet.